Les barrières ont été ouvertes après la mise en place de première ligne de moto. D'accord. Et après sur le côté, je ne sais pas si elles sont ouvertes. Par contre, les fleurs et les câbles, ça va pas le faire, Renan. Hello. Ça va? C'est super de vous voir. Ça fait chaud au cœur. Madone 2024. Merci de votre présence. Et la Vierge Marie, Notre-Dame de Fatima. On va l'applaudir bien fort parce qu'en plus, elle nous a donné un beau soleil. On va se confier à elle pour vivre cette célébration autrement. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame des Motards, Notre-Dame de Fatima, Marie, aide-nous à rentrer dans le cœur de ton Fils aujourd'hui, dans cette célébration, dans cette bénédiction. Merci Marie d'être là pour nous, parce que tu es notre maman et que tu veilles sur chacun de nous. On commence par saluer toujours Marie et son Fils Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Alors merci au Père René Luc qui était là il y a 2 ans, la prière au rupteur, et qui est revenu cette année pour nous assurer tout à l'heure la prédication. Je le salue bien fort. C'est vraiment un ami, un frère prêtre, et je suis tellement heureux qu'il soit là encore cette année. Voilà, on l'applaudit bien fort. Merci à tous les frères diacres et prêtres qui sont venus de différents diocèses et tout ça, de Vannes, et ils sont tous là, je ne vais pas tous les nommer, mais en plus, vous savez combien on est ? 12. Ah oui, il fallait le faire quand même. Il fallait quand même le faire. Bon, je vous avoue, j'ai cherché Judas, mais je ne l'ai pas trouvé encore. On est tous un peu Judas quelque part des fois, hein. Non ? Ouais, un petit peu. Merci à nos amis musiciens qui, pour la 4e année, eh bien, ont préparé, travaillé la messe et tout pour nous donner des jolis sons, jolis chants et de belles louanges. Et merci à eux, je suis vraiment très très heureux qu'ils soient là. Et une pensée spéciale pour nos amis défunts, représentés par leurs familles, représentés par les familles qui sont venues déposer à la chapelle des défunts, voilà, leur visage, leur nom, nos défunts motards qu'on n'oublie pas. Ils sont avec nous et on va prier spécialement pour eux. On a déjà prié au Vêpres à 17h hier et on continue à prier pour eux et puis les familles qui sont devant. On est tout cœur avec vous, toute l'Assemblée, tout le monde. On va porter chacun de vos amis, de vos frères, de vos enfants. Voilà, la moto c'est beau, mais ça peut faire des dégâts. Donc on pense bien tous nos défunts dans cette célébration. C'est la grâce de Porcaro, dans cette chapelle qui est tellement émouvante, qui nous rappelle tellement de choses essentielles. Voilà, on pense bien à eux.
et salutations à tous les motards ici présents. On vous aime beaucoup, on peut les applaudir bien fort. On vous aime énormément et je sais que vous avez toujours un plaisir, une joie de revenir à Port-Carreau. Vous trouvez quelque chose qu'on ne trouve pas ailleurs. Parce que c'est un sanctuaire marial. Sur le pape Benoît XVI en 2012 qui a déclaré Port-Carreau sanctuaire international des motards. En 2012, je le rappelle. C'est un sanctuaire marial. Marie a voulu ce lieu pour accueillir spécialement les motards. Même si parfois vous me donnez du fil à retordre. Mes chers amis motards, je le dis sans jugement, mais c'est vrai que hier soir, les abus d'alcool et les rupteurs, ça m'a pas trop plu. Vraiment. Port-Carreau, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Je vous le dis, mes amis, je vous le dis sans jugement et fraternellement, c'est vrai que vous m'avez un peu fâché. Je ne sais pas s'ils sont là. Abîmer vos motos, tous ces bruits, tous ces, c'est pas... Hein. Port-Carreau, c'est un sanctuaire à la Vierge Marie, c'est un sanctuaire pour nos défunts. C'est pas un lieu où on fout le bordel. Quoi. Alors merci d'en tenir compte, chers amis motards. Je le dis sans jugement, je le dis vraiment avec amour. Mais je voulais vous le dire. Voilà, chers amis, avec ce beau soleil, cette belle fête, cette belle messe, cette belle bénédiction, cette belle balade. Je reviendrai à la fin donner quelques consignes, je ne vais pas les faire maintenant. Entrons joyeusement dans cette célébration et le Père Renuc va maintenant présider. Merci à lui. J'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Tout à l'heure, les enfants, avec leurs petites motos, ça c'est génial. Moi, je voulais juste rajouter respect absolu des musiciens dans Gégoc. Si vous pouvez éviter de faire du bruit, en particulier devant la scène. Do you know?